On joue contre Angers, les gars. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une vidéo de Inny qui va aller au stade Vélodrome pour voir le match Angers-Marseille avec le retour de Bouffal à Angers normalement. Donc, et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. On joue contre Angers, les gars. Angers, c'est boulanger. C'est plus Angers, c'est venger. Tout ce que Lyon nous a fait, oh là, on va se venger sur Angers. La vie de ma... Ce soir, l'OM se relance dans la course au titre. Bakambu en congolais, ça veut dire droit au but. C'est un signe. Quand je pense à toutes les meufs que je vais pécho avec mon pari de ce soir. Amis, le peu de fois où j'ouvre vos messages privés, je vois quoi? Momo va bouffer la merde de cheval. Momo va te faire percer les tétons. Ou alors, je vois quoi le plus? Momo, c'est combien la pub? Comment ça se passe pour la pub? On fait comment et tout? Les gars, là, je vous mets un lien Google. Vous remplissez le formulaire Google. Vous mettez deux, trois informations, les gars. Genre, le nom de votre entreprise, de votre société ou de votre business. Et nous, on vous répondra derrière, les gars. Ça permet de faire le tri entre les gens qui sont sérieux et les gens qui sont pas sérieux. On dirait les meufs. Je vais faire un grand tri dans mes amis. Elle va faire un grand tri dans... Là, les gars. Les 24 heures du Mans, c'est parti! C'est parti! Regardez comme ils bombardent, les gars! Oh là, regardez-moi ça! Oh là, c'est le Grand Prix, la vie de ma mère! Et oui, Hamilton qui va être champion du monde! Hamilton en pole position! Mais il y avait Verstappen! Verstappen qui double! C'est incroyable! Dernier virage! Oh là, les gars, c'est incroyable! C'est le Grand Prix! Le démarrage au péage, les gars, c'est un truc de fou! Regardez les gens! Oh là, calmez-vous, c'est bon! Qu'est-ce qui se passe? Oh là, les gars! Nous les mecs au démarrage au péage, voilà, c'est un truc de fou. On se regarde tous de travers, on est là énervés, ça démarre en première, ça lève le frein à main, ça part, voilà, calmez-vous les gars. La vie de ma mère, voilà, pour rien. Donc, champagne au stade Vélodrome pour Mohamed Hennie. Incroyable, les gars! Ne soyez pas complexés, les gars! Ce soir, c'est match! Match! La team! La team là-bas! Ok, alors, l'ensemble! Alors, ah, il y a un supporter d'Angers, Bouffal. Bouffal, il est marocain, c'est un bon joueur, franchement, il m'a impressionné contre tous les matchs qu'il a joué en Coupe d'Afrique, à part un peu moins bon contre l'Égypte. Très vite, comment ça? Provençao nostra nazione, se oi Provençao e fiera di l'estre. Ouais, ouais, San Paoli, les gars, voilà. Voilà, il voulait tacler le joueur, voilà. Voilà, c'est un tueur. Oh, allez, les gars, allez, la pression. Ouais, ouais, San Paoli, les gars, voilà. Voilà, il voulait. Oh, non, je dégage, les gars, oh. Mais Gerson, c'est nul! Nul, Gerson! Voilà ce brésilien! Voilà que c'est un faux brésilien, Gerson! La vie de ma mère! Voilà, c'est pas un brésilien, ce mec! Nul, Gerson! Voilà! Voilà, c'est Germain! La vie de ma mère! Voilà, c'est incroyable! Voilà, c'est pas un vrai brésilien, Gerson! C'est un péruvien! C'est un panaméen! Oh là les gars! Oh, c'est incroyable! Oh là que c'est incroyable! Ce qu'il pourrait faire, c'est zoomer sur l'écran géant. Il pourrait zoomer sur l'écran géant pour nous faire. Oh là là! Oh misère! Oh misère de misère! Non, non les gars! Qu'est-ce qui
se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh là, c'est incroyable. Oh là, j'ai envie de jeter ma basket, les gars. La vie de ma mère, c'est incroyable. Oh, il a des Balenciaga. C'est pas possible, ce roi-là, c'est pas possible. Il a des baskets à 900 euros, Ini. Oh, c'est un truc de fou. Voilà, l'OM Diadio au titre, la vie de ma mère. À la télé des loges, elle va finir sur la pelouse, les gars. On est les plus nuls de Ligue 1. Oh, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça me rappelle le match Allemagne-Brésil sur le côté gauche. 4-0 en 10 minutes ou quoi? C'est incroyable. Là, c'est Bouffal sur le côté gauche en plus. C'est un truc de fou là. On va finir sur un joueur, ça, les gars. Un zoom sur l'écran géant. Sur Jackson, dans la vie de ma mère. On va finir sur. Incroyable. L'OM dit adieu au titre. L'OM se relance dans la course au titre. Ah ouais, grosse remontée tout de même. Sur la cage, regardez les gars, vous voyez au-dessus de la cage, voilà, trois balances avec Paul Lopez, voilà, on va faire une pétition. La version complète, j'appelle l'ambassade du Brésil, la police intervient. Voilà un intérimaire les gars, voilà, allez va t'asseoir. T'étais dans ces tribunes, maman, quand t'avais pas de saut. La tribune la moins chère. Où il y a les ultras, les supporters les plus chauds de Marseille. Voilà. Allez, c'est incroyable. C'est maintenant. Historique, tire. Oh là 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 là. Oh non, les gars, non, non, pas maintenant, pas maintenant. Voilà, propre.
Les tribunes, elles sont comme... Mais elles sont pleines. Ender qui rentre. Oh là là, pas qu'en but, les gars. Incroyable. Ah, voilà! Voilà, Milik! Incroyable, les gars! Oula! Incroyable! Ah, c'est incroyable, les gars! Ce soir c'est match. Match. Ce soir c'est match. Faut casser une assiette. Je veux pas. Ah, tu veux pas? Je veux faire virer. Ce soir c'est match. Je vais me tatouer Milik sur le. Et là dos. Les gars, pète-moi le cul Milik. Défonce-moi le boule. Je suis là Milik. Et là les gars, pète-moi le cul. Les gars, ça c'est le boss final ça. Voilà. Oh putain. Boss final. C'est mon rêve le casser. La vie de ma mère. Les gars, ça c'est le boss final ça. Stade Louis II. Parce qu'il est vide. Bon après quand il dit pète-moi le boule, c'est au sens figuré et bien sûr, c'est il va pas le faire dans la vraie réalité. Voilà. Pour ceux qui n'auraient pas compris. Donc voilà, donc ça serait bien que quand il va au stade, qu'il filme comme ça, qu'il fasse des petits zooms justement sur cet écran géant. Il l'a fait une fois. Ça serait cool. Voilà, et Angers, bah... Angers qui a marqué 2 buts dans les 10 premières minutes. Donc ça a surpris tout le monde. C'est à ce moment-là où il a dit, bah, à ce rythme-là, on va se prendre 4-0 à la mi-temps. En 10 minutes, 2-0. Mais à la 18e et 20e, si je dis pas de conneries, à la 20e ou 28e, Marseille égalise de partout. Et le match était tranquille jusqu'à la fin du match. À la fin du match, à partir de la 70e minute, Marseille n'a pas arrêté de marquer. Voilà, le troisième but. Angers voulait revenir au score. Hop, et quatrième but, 5-2. Du coup, Marseille campe à la deuxième place. Incroyable. Incroyable. À la deuxième place. Devant Nice. À un point d'écart. Mais Marseille a un match d'avance. Sur Nice et PSG. Donc voilà. Pour les deuxième et troisième places. Pour l'instant, les principales concurrents, c'est Nice et PSG en première place. Parce que Strasbourg, là, ils sont à 35 points. À la quatrième place. Rennes. À la 34e place. Oh, Lyon, ils ont chuté depuis 34 points. Mais Lyon, à tout moment, ils peuvent rejoindre la 4e place. Mais ça sera dur de remonter jusqu'à la 2e, 3e. Et pour Marseille, ça sera dur de remonter. Ils sont à 10 points de PSG. Donc, les trois premiers à 10 points chacun d'écart. Donc, Nice est à 20 points du PSG quand même. Voilà, footballistiquement parlant. Il me semble que Boufal, il a pris l'avion direction Marseille. Donc, il a dû jouer. Il est sur le côté gauche. Il n'est pas mauvais, point de vue dribble, contrôle de balle, Boufal. Je pense qu'il mériterait même... Bon, Angers, ils sont combien? Ils sont combien en classement, Angers? Ils sont 12e. Ouais, je trouve que c'est un joueur qui mériterait, mais... Peut-être, je dis pas ça méchamment pour les Angevins, mais...
Je le verrais bien dans une des équipes, voilà, des 5-6 premières places, tu vois. Je le verrais plus à Lyon, à Nice, à Paris. À Paris, Paris peut-être pas, mais disons Strasbourg, les Lyon, Marseille. Buffal à Marseille, ça pourrait être pas mal aussi. Il faudrait voir qu'est-ce qu'il y a côté gauche. Parce que j'ai vu dans la CAN, là, les contrôles qu'il a fait sur les balles longues, des super contrôles, une superbe combativité sur tous les ballons, récupération de ballons, dribble, il arrive à dribbler plusieurs joueurs. Bon, ça dépend des joueurs aussi, c'est vrai que. Voilà, faut se remettre aussi en question. Parce que si on est sorti de la CAN, voilà, c'est. Ah, il a quoi? Il a 28 ans, Boufal. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et Actu. Tchuss, c'était ActuYTB2. Merci d'avoir regardé. Gars, ça c'est le boss final, ça. Hein. Voilà. Boss final. Soir c'est. Maf! Faut casser une assiette. Ah, tu veux. Et là, les gars, pète-moi le. Gars, ça c'est le boss final, ça. Hein. Voilà. Boss final.